Oh, oh, quelles sont les personnes de votre quartier? De votre quartier, de votre quartier, oui, quelles sont les personnes de votre quartier? Chaque jour vous les rencontrez. Regardons s'il y a quelqu'un. Oh, bonjour, comment ça va? Bonjour, jeune blanc. Oh, dites, elles sont très 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 belles, les fleurs que vous avez. C'est vrai. Vous êtes bien un fleuriste? Appelez-moi Jean. Et comment vont les affaires? Oh, les affaires sont florissantes. Tant mieux. Et ça ne fait que croître. Je vois qu'avec les fleurs, c'est une question de peau. C'est exact. Chantons. Si vous avez envie d'acheter des fleurs, ou plutôt une jolie plante en pot, pour vous-même ou pour faire un cadeau, c'est chez le fleuriste qu'il faut aller. Car le fleuriste est une personne de votre quartier. De votre quartier, de votre quartier. Le fleuriste est une personne de votre quartier. Chaque jour vous le rencontrez. Allez, à bientôt. À bientôt. Oh, salut. Salut. Qui êtes-vous? Je suis électricienne. Ah oui, c'est clair. Et j'essaie d'être au courant. Vous êtes mignonne, vous savez. Ouais, mais vous, vous êtes un peu survolté. Oh, je sais, dites-moi, est-ce que c'est bien ce métier? Vous voulez peut-être que je vous branche? Oh, on chante? Quoi? Est-ce que vous chantez? Bien sûr. Pour toutes les fans d'électricité, fixez une prise ou changez les plombs. Aux électriciens, faut s'adresser. Vous éclairez, c'est ton rayon. Car l'électricien est une personne de votre quartier. De votre quartier, de votre quartier. Votre fleuriste est une personne de votre quartier. Chaque jour vous les rencontrez en allant vous promener. Oui, chaque jour vous les rencontrez. Une. J'en connais des meilleurs que vous, car je suis un homme cultivé. Oh, pas drôle. Elle a perdu le fil. C'est pas une lumière, le fleuriste.